On m'a dit que vous pichez le sang, c'est ça? C'est quelque chose ici. Je chie le sang. Hein? Je chie le sang. Vous chiez le sang. Vous êtes avec qui ici? Hein? Avec ma femme. Elle est où? Elle est... Votre femme est où? C'est vous sa femme? Are you his wife? Vous êtes musulman? Je suis protestant. Hein? Protestant. Elle, elle est d'où? Elle est une fille à Konu Linga. Hein? À Konu Linga du sang. Pourquoi elle est habillée comme les musulmans? C'est parce que nous sommes à pousser les sud habitués de m'habiller comme ça. Vous êtes habitué de vous habiller comme ça. Uh-huh. Vous faites quoi dans la vie? Gendarme. Vous êtes gendarme, ok. La tenue. Oh. Ah. Vous m'avez connu, ça fait combien de temps? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous m'avez connu? Oui, c'est ce matin. Pour la première fois? La première. Oui. Vous avez vu à la télé? On vous a vu une fois la télé, vous avez vu une fois la télé, à une chaîne de télévision. Mais j'ai cherché votre numéro, c'est ma soeur qui travaille à Bertois, elle est policière, c'est elle qui m'a donné le numéro de la pour que j'arrive ici. Parce qu'il ne savait pas exactement là où se trouvait l'endroit. J'ai appelé le numéro, puis je suis arrivé ici aujourd'hui. C'est ma première fois d'arriver ici. Mettez la main sur le ventre. Il y a des gens que j'aurais souhaité qu'ils me rencontrassent avant. Je vous dis la vérité, il y a des gens. On leur aurait donné des conseils. Il n'a pas eu un prophète pour lui donner des conseils. Il a commis une erreur qui est difficile. On va prier. Le Dieu des impossibilités. Vous savez, regardez cet homme. Et si je peux vous parler avant de prier pour vous? Je peux vous parler. Il n'y a pas de problème, mon père. Vous n'avez pas été aimé dans votre lieu de travail. Vous n'avez pas été aimé. Et il y a des erreurs que vous avez commises. De graves erreurs. Il y a des choses qu'il ne fallait pas faire. Que vous avez faites. Et ça, je vais. Il y a des choses que vous avez faites. Que vous ne devriez pas faire. Il y a de mauvaises choses que vous avez faites. Quand je parle de mauvaises choses, je parle de retirer l'argent aux gens, des arnaques et faire des choses. Vous avez fait de mauvaises choses. De très mauvaises choses. Très mauvaises choses. Et ça fait que lorsque le mal s'y est venu, il n'y avait pas de justice autour de vous pour vous protéger. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, il faut être innocent. Parce que quand le malheur arrive, ça trouve que tu es coupable ou méchant, tu n'auras pas de secours en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec notre frère. C'est pour ça que j'ai dit que son cas est difficile. Il faut prier et implorer Dieu. Vous voyez, vous avez eu des problèmes dans votre lieu de travail. Hein? Vous avez des problèmes. Vous avez eu des problèmes. Vous avez un collègue qu'on appelait Alain, qui est aussi un gendarme comme vous. Hein? Votre collègue, Alain. Alain. Hein? C'est ça. Alain Songo. Songo Alain. Il vous a créé des problèmes. Il a fait un rapport sur votre mari. Et ça lui a créé des problèmes dans son lieu de travail. C'est vrai, mon père. Et on vous a convoqué. Il y a un supérieur à vous qui vous a convoqué pour dire que voici ce qu'on m'a rapporté. Hein? Qu'on appelle Pierre. C'est comme un sergent, quelque chose comme ça. Pierre, il vous a... Mon collègue. Il vous a convoqué. On vous a convoqué pour dire voici telle chose. Et vous avez commencé à avoir les problèmes. Mais le problème que vous avez ici, la maladie ici, vient d'une fille. Votre maladie vient d'une fille. Ça vient d'une fille, Clarisse. C'est une gendarmette. Clarisse, une de vos collègues. Votre maladie vient d'elle. Clarisse, c'est ma femme. Son homonyme. Mon homonyme. Ça fait que vous me suivez. Son homonyme. Et je veux prier pour vous. Amen, mon père. Que Dieu vous guérisse. Amen, mon père. Amen, que vous guérisse. Amen, mon père. Oh, mes amis. Mes amis. Et mon Jésus, je vous en prie. Amen. Lorsqu'on parle de Jésus aux gens,
ils disent ah ah. C'est quand c'est mauvais comme ça qu'ils cherchent l'église. Quand nous prêchons, on nous insulte. C'est lorsque c'est mauvais qu'on nous cherche. Le monde est mauvais. Le monde est méchant. Ne vous fiez pas aux dents que les gens vous montrent. Garçon-ci, je dis la vérité devant Jésus. Il a eu un problème avec Armand. Vous avez un collègue qu'on appelait Armand. Armand. Et Armand sortait avec Clarisse. Et on a dit à Armand que vous sortez avec Clarisse. Vous me suivez? Armand s'est fâché. Clarisse s'est fâché. Armand est allé pratiquer contre vous. Et Clarisse aussi est allé pratiquer parce que votre femme est là. Je ne sais pas comment je veux parler. Je suis coincé, je ne sais pas comment parler. Non, sincèrement. Clarisse est fâchée contre vous. Parce qu'on a demandé, c'est comment vous lui avez dit, non, oh, je ne te connais pas, non, là. Elle a dit, ah bon, je vais te montrer. Et elle vous a dit ça, vous étiez au bureau. Elle t'a tenu enfilé. Elle a dit, comme tu parles comme ça, ah bon, tu ne me connais pas, hein? Je vais te montrer. Son ami Solange, qui est aussi votre collègue, qui était aussi à côté, a demandé à Clarisse que je vais te montrer signifie quoi. Elle est venue vous voir. Solange vous a dit méfie-toi. Quand une femme te parle comme ça, c'est qu'elle va aller avec ton nom chez le marabout. C'est ça? Vous avez dit à Solange que non, elle ne peut pas faire ça. Elle a donc fait ça. Elle a fait ça. Votre maladie ici, c'est la sorcellerie. Vérité, vérité. Vérité, mon père. Qui est ton ami? Qui est ton ami? Qui est ton ami? Mettez les mains sur le ventre. Ce n'est pas des remontrances que je vous fais. Je vous montre les erreurs que vous avez commises. Seigneur, pardonne son péché. Que le sang cesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce poison maléfique, le poison de Satan quitte sa vie maintenant. Poison sort. 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 Au nom de Jésus. Poison sort. Oh Seigneur, regarde la méchanceté. La méchanceté des hommes. La méchanceté de Satan. Ne laisse pas cet homme dans cet état. Je t'en supplie, délivre-le. Seigneur, guéris-le. Qu'il revienne à la vie. Reviens parmi les vivants. Reviens parmi les vivants. Reviens parmi les vivants. Au nom souverain de Jésus. Étends la main vers notre frère. Dis à Dieu qu'il revienne parmi les vivants. Disons au Seigneur que nous refusons qu'il meure. Nous déclarons qu'il revienne. Que ses péchés soient pardonnés. Et qu'il revienne à Christ son sauveur. Seigneur, prolonge ces années. Prolonge ces années. Prolonge ces années. Au nom souverain de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Acclame pour sa délivrance, s'il te plaît.